les abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc là, Joël va aller faire le code pour sortir. Donc il est là. Donc voilà les emplacements, hein. C'était des emplacements individuels. Donc là, il va faire le code pour que je puisse sortir. Donc là, on est à Villers-sur-Mer. C'est bien pour faire une étape, mais bon, voilà, c'est pas super grand les emplacements. Maintenant, on n'a pas trop le choix. Hein. C'est ici ou ici. Nous n'y étions jamais allés, donc on y est allé. Il y a de quoi faire du vélo au niveau de la partie marais. Par contre, il n'y a pas de piste cyclable pour aller en ville. Et c'est toujours dangereux. Il faut passer à côté des voitures. Et puis, il y en a qui ouvrent les portières. Enfin bon, vous savez comment ça fait à vélo. Hein. Donc là, je vais y aller. Open the door. De stationnement de Villers. On s'est entouré d'un côté du parc naturel du Marais et de l'autre côté ce sont des immeubles de vacances. Coucou. Coucou. Bon, c'est reparti. Et ouais, c'est reparti. Donc là, on s'en va visiter autre chose. On a dormi. Hein. Ouais, c'est bien, c'est et il n'y a pas de vis-à-vis sur les camping-cars les uns par rapport aux autres, donc on est vraiment bien cachés, ça c'est sûr. Bon allez, on va faire la route, à Titi. On dit maman, moi je roule là, hein. On y va. Là il y a encore un dinosaure, des scuputulures, comme dit un ami. Des sculptures en métal de dinosaures. Et l'autre, on vous l'a montré hier. C'est joli, c'est Jurassic Park ici. Ouais, c'est Jurassic Park. T'aurais mal au dos à grimper là-dedans. Oui, moi, c'est bien les voitures basses. Mais bon, voilà. Hier, j'avais pas de son. J'avais filmé cette maison rouge. Je trouve fort jolie. Je trouve qu'elle fait très cottage anglais. Je faisais avec des clients l'Angleterre aussi, hein. Donc des séjours de 8 jours, il faut s'amuser à tout prendre à l'envers forcément, en autocar c'est pas toujours simple, les premières fois il faut vraiment cogiter. En autocar, j'aime pas parce que faut que je fasse descendre les clients côté route et ça m'a toujours fichu une trouille quand je voyais où des gosses monter avec les voitures qui passaient à côté, ça vous glace le sang. On est en train de chercher un. Bah oui, quand il est pas si tôt que ça, il doit être 10h. Aujourd'hui, on est un peu traînard. Marée basse. Ouais, marée basse. Hier, elle était haute. Hier, pas bien. Ouais. Avec les heures. Ouais. Bien fait, moi, comme ça. Hein, ah ouais, non, mais faut le faire, quoi. Je veux dire, entretenir ça. Déjà, faut le construire. Donc aujourd'hui, on s'en va à Livaro. Parce que ici, nous sommes près de Livaro, Pont-l'Évêque, Camembert.
va essayer de d'aller visiter quelque chose et surtout de goûter. Ah bah oui. Traverser le rond-point, deuxième sortie. Voilà, donc là on arrive à Livaro. Urgent recherche médecin. Ah, visite fromagerie. C'est là. Bah oui, non mais motorisé. C'était pour les autocars. Tournez à gauche, puis virage à droite. Donc ça doit être par ici. Centre-ville. C'est le fameux fromage qu'on appelle aussi le Polonais. Pourquoi ? On l'entoure de 5 ficelles. Tournez à gauche, puis virage à droite, imminent. On est galant du Polonais là, c'est aussi le Polonais. On va parler un peu plus fort parce que le micro il est là, je pense qu'on va pas t'entendre. Ah bon, non. C'est pour ça que les autocars les ont fait passer. Ouais. Charcuterie artisanale, ça on aime bien, ça on regarde ça. Après 80 mètres, tournez à droite. Tournez à droite, puis vous êtes arrivé. Tournez à droite et on est arrivé. Un village fromage. On va au village fromage. Culturel du pays Livaro. Alors, la copine municipale. Ah, je pense que c'est là-bas. Après 80 mètres, à droite. Vous êtes arrivé. C'est à droite, toi, douche. Air pique-nique, atelier municipal. Vous êtes arrivé. Ok. C'est le village fromager en fait ici. C'est une très grande fabrique de fromage. Découvrez les fromages du Livaro. On va regarder si on peut se garer quelque part. C'est une no parking. Ouais, non, mais je vais tourner. Je tourne. C'est pas plein de parking pour les... Bah non, c'est pas pratique. Il y a sûrement un parking autocar de l'autre côté, je ne l'ai pas vu. Donc on s'est mis là parce que le parking, ben voilà, il est réquiqué pousse-pousse. Il y a un camping-car qui a réussi à se mettre là. Donc là vous avez tous les camions à aller. Accueil, service administratif, visite.
l'histoire des murs de notre fromagerie. 1920. Le village fromager. Aussi, c'est joli ça. Donc, visite par ici. Fromager grain d'orge. Planche viking, je vais mettre mes lunettes, camembert, temps de savoir-faire. Vous le voyez derrière moi, une vache arrive, on rejoint Michel qui est parti les chercher. Là, on est vraiment dans les trucs à l'air, là. Donc là, on a toutes les réserves de lait de l'autre côté de la vitre. Le lait à la loupe. Donc là, ils sont en train de faire des analyses sur le lait, en fait. Donc le lait passe là-dedans, dans toutes ces machines.
journée samedi aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'il ne travaille pas. Secret de fabrication. Vous n'avez pas les odeurs, mais je peux vous assurer que ça sent bien le fromage. Le pot à lait. Le seau à traire. Le pot à écrémer. C'était une yaourtière, machine en bois ayant appartenu à un fabricant de yaourt parisien. Barata beurre. Et moule à fromage. Donc là, on a tous les moules à fromage, en fait. C'est des petites recettes parce qu'on peut faire plein de choses avec du fromage. Yam yam. Donc là on va descendre dans les caves. Oui, c'est rien, c'est pas grave. Donc là on descend dans les caves. Tous les fromages. Ouais, là, il est super jaune, là-bas, il est super blanc. On a les fromages. Ah, on voit un arrivage de fromages. Il y en a des énormes hein, là-bas. Un arrivage de fromage en plus. Une dégustation hebdomadaire permet le suivi du goût du fromage. Moi, dans les mémoires, mais je ne vais pas prendre ici du saumur. Je vais aller voir du côté des boîtes à fromage. Ils sont en train d'emballer les fromages. Je mettrai de la musique. Donc là, on a les emballages de l'hiver. Je trouve ça sympa. Hein.
ce sont des roseaux en fait qui servent à entourer le fromage. Donc là, ils sont en train de tout nettoyer là-bas. C'est le grand, grand nettoyage. Vous avez le bar à fromage. On se fend la pomme. Bon, ça aurait dit on se fend la poire, ça aurait été un peu différent. Donc là, vous pouvez acheter le fromage ici. Là, on va aller déguster. On a pris des petits tickets. On va aller déguster un peu de fromage, dont du camembert chaud. Encore des moutons. Donc, on va s'installer pour la petite dégustation. Coucou. 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 Oui, bah oui. Pour les petites infos pratiques, hein, la visite de l'usine est gratuite. Donc elle est ouverte de, je crois, 10h à 17h30, à confirmer, hein, sur le site. Enfin, en tout cas pour le samedi. Et si vous voulez voir la production, hein, c'est le matin. Le vendredi, ils ne produisent pas. Voilà. Donc on attend pour la dégustation. Donc voilà la dégustation. Donc il y a du Lévaro, du camembert, du Pont-l'Évêque et du Neuchâtel. Et moi j'ai pris du camembert chaud. C'est servi avec un petit verre de cidre. Voilà. Donc ça c'est 5€ et ça c'est 8€ avec le verre de cidre et le pain. Sympa ? Oui. Allez, on va déguster. Lévaro. Et là, il y a Neuchâtel, camembert au Calvados, Tibri, crémeux. Et là-bas, vous avez différentes choses aussi. Donc, on s'est fait plaisir comme c'est délicieux. Hein. On a pris des petites choses, dont des camemberts à cuire, du crémeux, du Valais d'Auge, du Turgoul et deux, trois petites choses avec du Livaro aussi. Donc on va retourner maintenant au camping-car. Déguster. Non, pas déguster. Tu viens de manger. Tu viens de manger. C'est bon.
Donc le souci, c'est que là, pour le parking est trop petit pour les camping-cars. Donc j'ai demandé confirmation hein, pour pouvoir le dire sur le film. Vous pouvez vous garer. Donc le trottoir là est très très large. Donc vous pouvez vous garer sur le trottoir ici et de l'autre côté. Hein. Voilà. C'est possible. Donc là, on est tout seul. Les loulous nous attendent. Et Jojo, il est content, là, son petit sac. Ouais. J'adore le fromage. Ouais, on adore le fromage. On n'est pas normand pour rien. Hein. Ben non, parce qu'avec de la salade, ça fait un repas. Juste du fromage, c'est parfait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a pris, là, à l'entreprise, du fromage. Mais il y a du vent, hein, dans les voiles. Et puis, comme ça, on a mangé. Voilà. Donc les plus beaux, c'est Baroudeur 2, hein, évidemment. Bon, vous le savez, hein, je suis gaga de mon camping-car. Donc j'attends que, voilà, le microphone connected. Donc nous voilà de retour. Jojo est parti sortir les chiens. Donc je vous montre, on a pris des petits camemberts au four, parce qu'on a goûté, hein. Et là, ça se garde jusqu'à octobre, donc c'est longue conservation et c'est une minute au micro-ondes ou 10 minutes de four avec les épices. On a pris de la tergoule de Janville, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille, hein, c'est du riz. Et ça, c'est caramel au beurre salé d'Isigny, hein, puisqu'on n'est pas très loin d'Isigny non plus. L'usine d'Isigny, je vous la conseille aussi, hein, ainsi que tous les agriculteurs autour. Du crémeux de la vallée d'Auge à Neuchâtel, hein, et du Livaro à OP, surtout au lait cru. Il est vraiment excellent. Donc vous pouvez l'acheter là ou dans des fermes aux alentours. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est toujours aussi bon.